Je vais d'abord motiver comme ça. Donc j'attends le cas, mon départ pour le rentrer à mon lycée. Aujourd'hui, au niveau des chargements, c'est un peu difficile parce qu'il y a assez de monde. Mais on arrive quand même à s'en sortir et les mettre dans un bon cadre. Il y a d'autres qui se plaignent beaucoup, mais on fait assez d'efforts pour pouvoir les aider. Voilà. Et d'autres ne sont pas satisfaits, d'autres sont satisfaits. Mais comme aujourd'hui, c'est la fin des Pâques, on ne peut pas dire non. Effectivement, il faut tous être satisfaits. Voilà. Mais on fait quand même assez d'efforts pour pouvoir les satisfaire. Je suis dans la gare UTB BAE Yokougon. Comme vous le savez, c'est la tendance Pâques nous. Et l'atmosphère est vraiment très bonne ici. Nous nous apprêtons pour l'embarquement, pour aller vivre en convivialité avec la famille cette fête de Pâques de cette année. Comme à chaque année, hein, l'affluence est au rendez-vous. Moi, par exemple, je suis arrivé depuis 6 heures et c'est tout à l'heure à 8 heures que j'ai pu avoir simplement un ticket. Donc vraiment, il y a de l'affluence ici cette année, tout comme les autres années en fait. En ce moment, sur les quais, avec le 886, un départ express sur le Yokougon à Ouaké. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a l'affluence, malgré que nous avons un grand nombre de cas encore en stock, il y a l'affluence. Mais sachez bien que vous aurez des cas, quel que soit votre nombre, vous pouvez rentrer à bon port sans difficulté. Ne vous en faites pas, il y a toujours des cas, celui qui vous dira qu'il n'y a pas de cas, la personne a menti, il y a assez de cas, quel que soit le nombre de personnes. Nous disons Dieu merci parce qu'aujourd'hui, il y a du monde. Il y a assez de monde de part et d'autre dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Là où UTV doit s'y rendre, il y en a. Pour les années intérieures, cette année, il n'y a pas eu d'affluence en tant que telle. Les autres années, à 2 mois même déjà de la Pâque, nous sentons déjà l'engouement, l'affluence. Déjà même nous les conducteurs, à 1 mois, 2 mois, nous sentons la fatigue. Mais cette fois-ci, ce n'est qu'aujourd'hui que l'affluence est arrivée. À la fois la fête des Pâques, ça va, on a gagné des vies. Il n'y a pas de problème. La sécurité, tout est garanti ici. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes là. Nous sommes avec mes parents. Très bien, ça va. Les gens vont. Voilà, les cas sont là. En tout cas, ça va seulement. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, que Dieu garde nous. Que tout se passe bien. C'est comme toutes les années, à quelques 72 heures de la célébration de la Pâque, on a toujours cette affluence que vous êtes en train de constater d'ailleurs. C'est beaucoup de monde entre 3 heures du matin et 23 heures. Et nous prévoyons de 50, 55, 60 départs sur l'ensemble du territoire, mais sur Boité, autour de 40 à 45. Ça vous revient globalement à près de 3 000, 3500 personnes à transporter pour la journée de mardi. Et puis, demain que nous considérons comme la finale, ce sera autour de 5 000 personnes pour 100, 110 départs.